Salut tout le monde, c'est McBee. J'espère que la reprise a été bonne, pour ceux qui ont repris bien sûr. Moi aussi j'ai fait ma rentrée, fini les vacances, j'ai repris le boulot. Je reprends ma routine habituelle tranquillou, sauf que cette année j'ai décidé de me lancer un petit challenge. Et oui, comme j'ai repris, j'ai beaucoup moins de temps pour faire des vidéos. Et je me suis dit, tiens, si je faisais 2 vidéos par semaine plutôt que 2 par mois. Et encore, 2 par mois, je suis gentil. Attends, le type a beaucoup moins de temps mais il va faire plus de vidéos. Il est con, McBee, ou ça se passe comment? Et oui, c'est ça le défi, justement. Je ne promets pas que je vais réussir, car je ne peux pas forcer mon inspiration et je suis un tantinet mal organisé. J'aime bien ce mot-là, tiens. Mais je vais essayer au maximum de sortir des vidéos de qualité 2 fois par semaine. Les vidéos sortiront le mercredi, le dimanche, à 18h. Vous avez vu ça? Les gros effets spéciaux, hein? Il y a de la production derrière. Et si je claque des mains, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. Allez! Le challenge durera 2 mois, cette vidéo est la première. Nous sommes le mercredi 14 septembre et le défi prendra donc fin le 14 novembre ou la semaine prochaine. Ce sera majoritairement des tutos, des nouvelles musiques, aussi vos musiques à vous que vous pouvez continuer à m'envoyer à cette adresse qui s'affiche ici. J'arrête. On parlera de tout et de rien, mais toujours en lien avec la meilleure femme du monde, ma femme, j'ai nommé la musique. Si je rate mon défi, vous pouvez me frapper à coups de piano, à coups de grosse caisse, franchement, je l'aurais bien mérité. Avec ce genre de piano, par exemple, qui est vraiment une très très belle bête, il y a moyen de niquer des races avec ça. Si je réussis mon défi, on va fêter ça. Je ne sais pas encore comment, mais on fêtera ça, c'est sûr. D'ailleurs, si vous avez des idées, vous, de comment on pourrait fêter ça, écrivez-les en commentaire, je suis preneur. Merci d'avoir regardé, mets un pouce bleu si tu penses que je vais rater le challenge, voilà. Donc je pense que là, vraiment, la barre de pouces bleus va littéralement exploser. Abonne-toi et on se dit, à dimanche. Ciao! Et j'ai continué jusqu'au jour où une maison de disques a répondu à mon email. La maison de disques acceptait de sortir ma musique. C'était la plus belle chose qui m'arrivait. Autant vous dire que j'étais fou, je courais, je sautais partout.